Bonjour tout le monde, Vin ici avec vous et je vous souhaite la bienvenue dans ma série de capsules sur comment être plus productif. Et dans cette capsule-ci, on va regarder ensemble l'aspect de faire une seule chose à la fois. Et pourquoi faire une seule chose à la fois, Vin, quand tu es entrepreneur, puis tu es un leader, puis tu veux leader, tu veux faire les projets, tu veux faire avancer les choses, mais tu fais juste une chose à la fois? Oui. L'astuce de faire une chose à la fois, c'est pas de juste de faire une seule chose. Des fois, on comprend mal le terme, mais faire une chose à la fois, c'est faire exemple, on s'attaque à un dossier et on le termine correctement, on l'avance correctement afin de le terminer avec la possibilité de moins d'erreurs possible. Je vous mets en contexte. Qu'est-ce que je faisais avant? Moi, j'étais dans mon plus jeune temps. Je voulais attaquer tous les projets, je voulais faire tous les projets quasiment en même temps. Mais non, faire une chose à la fois, c'est important aussi parce que lorsque je faisais plusieurs dossiers, j'avançais plusieurs dossiers en même temps, me disant que, on dit souvent que les femmes sont capables de faire plus qu'une chose en même temps et les hommes ont un petit peu plus de difficultés avec ça. Ben moi, j'ai essayé de prouver le contraire, donc j'ai essayé de faire tout en même temps juste pour dire que non, moi aussi, je suis capable de faire plusieurs dossiers en même temps. Donc, le problème par rapport à ça, c'est que, oui, imaginez un bureau avec plusieurs dossiers, t'ouvres plusieurs filières, t'ouvres plusieurs dossiers en même temps et des risques. Un des premiers risques, c'est que les feuilles peuvent se mélanger. On suit un dossier à moitié, après ça, on suit un autre dossier, on prend un appel. L'appel, c'est par rapport à l'autre dossier, mais on écrit sur ce dossier-ci. On écrit un papier là, on le met là, puis après ça, on rajoute un autre papier. Des risques d'erreur possibles. Et lorsqu'on parle de risques d'erreur et risques de mélange, imaginez que vous faites juste deux dossiers au lieu de un. Bien, juste le fait d'avoir un élément ou quelque chose qui peuvent s'entrecroiser ou se mélanger, donc, on va prendre le temps de le refaire peut-être ou de chercher. Donc, juste le fait de chercher ou de refaire un travail parce qu'on a mélangé des dossiers ou ce qu'on a mélangé des informations fait qu'on a perdu du temps parce qu'on prend le temps pour le faire, pour le corriger. Donc, on perd du temps. On a perdu du temps parce qu'on a essayé de faire plusieurs choses en même temps. Ça, c'est juste un exemple, mais il y a de multitudes d'autres exemples possibles ou ce que peut-être même autour de vous. Regardez les gens que... Ils se disent être capables de faire plusieurs choses en même temps, mais en réalité, ils peuvent recommencer aussi plusieurs tâches à cause qu'ils l'ont fait en même temps. Regardez, pensez à ça et vous m'en donnerez des nouvelles. Vous pouvez toujours me laisser un commentaire ici-bas. Si vous voulez, il n'y a aucun problème. On va regarder ça ensemble et on va grandir ensemble. L'affaire, c'est de se donner des astuces et de pouvoir gérer notre temps mieux. Alors, si cette vidéo vous aura aidé, tant mieux. Vraiment, je vais être vraiment très content. Et n'oubliez pas, faire une chose à la fois, bien le faire, bien l'exécuter, il y aura beaucoup moins de risques de la refaire et ainsi moins de risques de perdre du temps. C'est ça l'astuce de faire une chose à la fois. N'oubliez pas, c'est faire une chose à la fois et je n'ai pas dit de faire une seule chose. Donc, c'est juste ça. Donc, voilà la différence entre les deux et j'espère que la vidéo va vous avoir aidé. OK? Moi, je vous dis, Vin, merci beaucoup. On se revoit dans une prochaine capsule. Bye bye tout le monde.